Hey mes petits sorciers, mes petites sorcières, donc je vous retrouve pour cette vidéo qui n'était pas forcément prévue. Il se trouve qu'hier, on a rencontré des hypnotiseurs, donc c'est la première fois que je me suis fait hypnotiser. Et c'était une expérience assez marrante, voire dangereuse pour certaines personnes. Sachant qu'ils étaient également Potterhead, donc on a fait des gros délires. Poufy, que vous avez déjà vu plusieurs fois dans mes vidéos, lui a demandé d'être Dobby deux fois. C'était vraiment très drôle d'ailleurs, puisque lui demandait juste d'être Dobby. On m'a pas dit que j'étais Bellatrix, mais en fait elle me reconnaissait comme Bellatrix et elle tremblait de peur, mais vraiment. On a beaucoup de choses comme ça, donc jouer des personnages d'Harry Potter, les sorts aussi, Petrifius Totalus, ou encore Andoloris. Oui, il est deviné de moi, mais moi ça marchait pas ça. Et également, avec le poster, malheureusement vous l'avez jamais encore vu, mais j'ai un poster de Bellatrix et on a aussi hypnotisé pour faire en sorte de voir Bellatrix qui bougeait de voilà, du poster et même sortir pour Poufy. Hashtag lore. Moi je me suis éclatée, je me suis fendue la gueule. Franchement, je suis une vraie connasse parce que je me foutais d'elle. Vraiment. J'ai aucun scrupule, aucune pitié. Et également, le personnage de Draco. Et de Tom Jr. qui est là, mais voilà. Vous ne voyez pas. Pas encore. Et on a fait d'abord sur Laure parce qu'en fait c'était elle la plus réceptive au départ. Donc comme je vous l'ai dit, elle a fait deux fois Dobby. On lui a fait voir la grande salle. C'était trop marrant, elle était là. Elle était heureuse. Pourquoi elle voyait de la bouffe partout? Elle était là. La bouffe! Parce que pour ceux qui ne connaissent rien à l'hypnose, moi de base je ne connaissais pas forcément grand chose. En gros, c'est notre subconscient en fait qu'on va côtoyer. Et on se contrôle plus forcément sous certaines personnes. Ce qui m'a fait énormément rire par rapport à Laure, c'est également quand on lui a dit, en plus du portrait de Bellatrix qui bougeait, voilà, qu'elle tremblait de peur. Elle s'est barrée, hein, vraiment. Elle allait se mettre à courir. Hein. Mais j'ai tellement de rire. Elle a peur de Bellatrix. D'ailleurs, elle la retrouve en moi, apparemment. Et pour ce poster de Draco, en fait, à un moment donné, l'hypnotiseur lui a dit comme quoi Draco lui parlait et à un moment donné, il faisait un striptease. C'était vraiment hilarant. Je sais pas si je remettrai certaines vidéos comme ça en bonus. Je préfère raconter parce que, voilà, on était dans le moment. Il y a des choses qui n'ont pas pu être filmées, notamment moi, quand j'étais très dangereuse. Voilà. Puis même, les vidéos sont un peu floues, du coup. Puis on bougeait, on rigolait. Voilà. Alors, moi, on m'a fait le coup aussi avec Draco, mais. Moi, je prenais juste l'oreille, je me cachais, voilà. On m'a fait le coup avec mon poster de Tom Jedusor. Sur le coup, je me cachais, j'étais comme ça. Hey! Non, mais on juge pas. On ne juge pas. On m'a fait. On m'a fait également jouer plusieurs personnages. Alors, il y a des personnages qui n'ont. Ça n'a pas marché sur moi, on m'a demandé de faire Dobby. Non, juste non, ça n'a pas du tout fonctionné sur moi, je crois que je suis. Non. Même Hermione, quand on m'a demandé de faire Hermione, sous hypnose, j'étais une Hermione mauvaise. J'étais juste hautaine. En fait, j'avais envie de. Bon, vous voyez, chier tout le monde. C'est mon subconscient, voilà. Alors, par contre, en Bellatrix. Au départ, en fait, j'ai eu la couette et tout parce que j'avais pas envie de voir leur gueule.
Juste, mais vraiment, j'étais méchante. Et à un moment donné, Wonder Juju, donc Justine, elle a dit quelque chose qui me plaisait pas. Oh, Bellatrix, je lui ai sauté dessus avec ma baguette. C'était violent. Je me suis même pas rendu compte que j'étais aussi violente. Et bah, j'aurais fait vraiment mal. Et à un moment donné, j'avais deux personnes qui étaient sur moi et j'arrivais quand même à bouger, quoi. Et pourtant, j'ai, enfin, voilà, je suis pas énorme. Tout ça. Et ils avaient du mal, en fait, à m'arrêter. On m'a fait aussi la grande salle. Mais en fait, j'avais pas du tout la même réaction que Laure. Ah si, j'avais un sourire comme ça. Voilà. Mais sinon, en fait, j'étais carrément hautaine. Sur les vidéos, en tout cas, je suis très très hautaine. Du coup, bah, mon subconscient, ça a permis de voir mon côté, justement, hautaine. Mon côté timide. J'étais timide parce qu'à un moment donné, on m'a fait croire, du coup, que je faisais... Enfin, il y avait Tom Felton. J'étais timide, mais c'était pas avec lui que j'étais la plus réservée. À un moment donné, en fait, c'était avec mon crush. Donc, tout départ, j'étais grave timide et tout. Et à un moment donné, ils ont voulu jouer trop par rapport à mon crush. Ils ont fait croire, genre, que une poutre, voilà, un de mes poteaux dans mon appart était mon crush et tout. Et Justine a commencé à faire un câlin, à l'embrasser et tout. Et j'ai grave pété un câble. Déjà j'avais un regard mauvais, mais vraiment mauvais, et je me suis carrément dirigée vers les couteaux. Non, je suis pas Yandere. Bon, je vois pas de quoi vous voulez parler. Au moins j'étais pas la seule, il y avait une autre personne qui était comme ça, mais elle allait pas jusqu'à là. Elle envoyait juste vraiment un regard très très noir, mais non. Ça, à un moment donné pareil, ils ont fait en sorte que le poteau insultait tout le monde. Alors sur un coup ça fait, enfin j'étais grave hautaine en fait, ça fait mais non, mais je vais pas me baisser à ça hein. Et tout, enfin bref, je suis ma pute. Voilà. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand ils ont commencé à faire croire que mon crush est, en fait ça s'appelait la sœur du censé être gars. Et j'ai pété un câble pareil. Je fais bon bah on va aller tuer toute la famille hein. Allez-y, on les tue. On les écorche, on les poignarde. Et je suis désolée. Je tiens à dire que l'hypnotiseur au départ ne me prenait absolument pas au sérieux. Il me voyait absolument pas violente parce que de base je peux faire timide, réservée. Et quand il a fallu m'arrêter avec les couteaux, il était choqué. Mais vraiment, je crois que c'est la première fois qu'il a dû lui faire ça. Il a déjà... Les apparences sont trompeuses. Il aurait peut-être fait attention quand même. Hein. Voilà. Mais en tout cas, c'était quand même une bonne expérience. Bon, bon, j'avoue que mes copines ont grave flippé. J'ai vraiment fait flipper. Ce qui est logique en même temps. Mais... ça reste une bonne expérience, mais je tiens également à dire que ça n'a pas fonctionné tout de suite l'hypnose sur moi, ou en tout cas en fait il y avait le premier stade qui fonctionnait. Et quand ça a vraiment fonctionné, c'est quand j'ai eu de la fièvre, parce qu'avant je pensais trop et j'arrivais pas à me détacher et tout. Et ouais, je pense que c'est pour ça. Mais en tout cas je crois que vous avez ma vraie personnalité et ça fait vraiment flipper. Mais vous inquiétez pas, normalement j'ai ma petite conscience qui me dit contrôle-toi, contrôle tes petites pulsions. Non, on va pas tuer, non, on va pas te torturer. Même si des fois j'avoue qu'avec certaines personnes j'ai grave envie. Très, 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 très envie. Vraiment. Mais bon. Je me rappelle qu'il y a toujours des conséquences pour nos actes et bizarrement ça me calme. Ou presque. Voilà. Alors du coup j'ai. Il a également une chaîne, cet hypnotiseur. Donc moi j'ai eu la petite carte. Là. Donc c'est Hypnose Sphère, pour ceux qui ça intéresse. Voilà. Après ouais, c'était vraiment une bonne enfin c'était quand même une expérience à faire. C'était grave marrant.
Enfin, oui et non, en fait, parce que... un voyage, quoi. Pour cette dame, c'était gravement... Moi, en fait, c'était plus flippant que marrant, malheureusement. Vraiment, alors, c'était vraiment très, 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 très drôle. Également avec une amie de la licence. À un moment donné, il leur a fait faire un concours de Miss. J'étais choquée, enfin on était choqués de la violence des propos de Laure, et là ça fait, en rigolant, avec Justine on s'est regardé, ça fait oh, on est trop sur elle, elle a trop de côté serpentin à cause de nous maintenant, alors qu'elle est censée être pouf souffle, elle est censée être toute calme, toute gentille, toute mignonne. Par contre moi on a essayé de me faire faire pouf, enfin d'être, que je sois pouf souffle. Ah oui, et quand c'était Chopo qui était placé sur ma tête, ça fait peut-être pouf souffle, et j'étais là. Non mais franchement c'est la dernière maison où j'irai hein. Et puis après ça fait, de toute façon tu mets pas ça pour tard, je te crame la gueule. C'était la violence incarnée. Ouais, en fait je suis très très violente. On dirait, on pense que je suis un peu moins violente, mais en fait je peux être très 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 violente. Faut pas me chercher des noises. Attends, je suis scorpion déjà de base, mais voilà. Et je vais également en profiter dans cette vidéo, donc petite parenthèse, voilà, donc là j'ai parlé de mon expérience, du coup, pour hypnose, je cherche mes mouches, c'est la fatigue, on ne juge pas. Et je vais faire une petite parenthèse, comme j'ai dit, parce que, voilà, donc samedi, je vais au salon du livre à Montreuil. Je me déplace, voilà, j'en profite pour en même temps voir certaines personnes, enfin revoir certaines personnes et en rencontrer de nouvelles. Voilà. J'y vais également aussi de base. Hop. Ah, ce petit livre. Oui, merci. Voilà. Donc, c'est le nouveau livre de Lynn Gorman. C'était pas forcément mon style de livre de base, mais franchement j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je l'ai lu en moins de 24 heures. Oui, parce que quand je suis dans une histoire, je suis dans une histoire. Après, j'avoue que certains passages m'ont rappelé de mauvais souvenirs dans ma vraie vie à moi, mais j'ai quand même apprécié le livre. J'ai envie de découvrir la suite. Bon, après, il y a des choses, j'arrivais facilement à deviner ce qui allait se passer. Déjà parce que je suis très observatrice. Mais ouais, ce que j'aime bien, c'est le passé, enfin, la complexité plus ou moins des personnages, et les passés plutôt sombres et tragiques. J'aime tout ce qui est, voilà, un peu dark. Et ça, c'était cool. Donc, je le recommande, du coup. En même temps. Voilà, et bah, j'ai hâte d'être à samedi. Et en même temps, je vais profiter pour, normalement, rencontrer une certaine personne. Voilà, qui me tient beaucoup à cœur, oui, même si je ne l'ai jamais rencontré avant. Ça fait depuis 2 ans que je veux le rencontrer. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bah, du coup, lisez le bouquin, je vous le conseille. Si vous voulez YouTube, plutôt. Non, je rigole. Vous désabonnez pas, hein. Non. Et voilà, si l'hypnose vous intéresse, ou que vous êtes curieux, allez sur cette chaîne. Je rappelle, c'est Hypnosphère. Voilà. Et bonne soirée, bonne journée. Moi, c'est le soir, c'est pour ça que j'ai bonne soirée. Bisous, les petites sorcières.